Et là, vous comprenez pas tout ça. Allons-y. Et puis, dans la chambre, ma petite soeur a dit que moi de Dieu, mon papa, si Dieu veut perdre, a dit que. Et elle m'a dit, si moi Dieu veut pas, elle m'a dit que Dieu, mon papa, si Dieu veut perdre. Après, maintenant, après, et puis, mon papa tombe malade, mon papa est malade. Elle m'a dit de chez mon papa, c'est si Dieu veut pas. Maintenant, quand elle a dit, elle m'a pas venu chez mon papa. Elle m'a dit qu'elle ne veut pas venir voir chez mon papa, si Dieu veut pas, je vais voir chez mon papa. Après, et puis après, elle dit que. Comment ton papa l'a rendu malade? Il souffre de quoi, le monsieur? C'est la nouvelle qui est fatiguée. Et plus souvent, il dit la mal à la hanche, il ne peut pas conduire souvent. Même avant de venir, même m'envoie à l'hôpital, chaque jour que Dieu fait, il doit prendre des médicaments. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il va nous faire comme ça? Elle m'a dit que la nuit, que si mon papa dort, je vais aller dans la maison de mon papa. Et puis, il saute sur lui. D'accord. Si je saute sur lui, et puis il va tomber de maman. Tu sautes sur lui? Oui. Vous voyez où le gaillot ronfle, brrr, brrr, les enfants vont aller marcher sur vous. N'oubliez pas où. C'est pour dormir. Tu as marché sur lui. Il était pourquoi? Elle dit que mon papa est méchant. Bien sûr, papa est vraiment méchant. Non. C'est elle qui est méchant. Papa n'est pas méchant. Toi, t'as accepté ça. Elle t'a obligé de faire, c'est ça? Oui. Si tu ne faisais pas la lettre de Dieu. Oui. À part marcher, là, t'as fait quoi, papa? Si papa est vraiment malade, on peut m'envoyer des médicaments. Laisse-en faire des médicaments. Ça, c'est sur la terre, avec des médicaments. C'est qui t'a fait sorcellerie là-bas, là? Tu as fait quoi, papa? Ne la regardez pas bizarre. Mais quand vous êtes avec vous, là, il voit les gens. Est-ce qu'on peut pas la gifler? Non, on la gifle pas. On va la délivrer. Amen. On va l'aider. Ça fait quoi, papa? Tu l'as pas attaché? Si. Tu l'as attaché. C'est ça? On va l'aider. Quand tu as marché sur lui, tu n'as pas pris sérin, tu prends son sang. Hein? Non, je te pose la question. Ce que tu as fait là, j'en ai dit. Tu n'as pas pris le sang ici. Quand tu as pris, tu as mis dans la boîte. Puis tu as mis de l'eau. Est-ce que vous allez expliquer tout ça? Elle vous l'a expliqué? Non, elle ne peut pas te dire parce que tu ne peux pas la soigner. Non, elle ne peut pas te dire ça. Parce qu'en te disant ça, sa vie est en danger. Elle te dit qu'est-ce qu'elle reçoit en retour de toi. Puisqu'elle est confiée, je l'ai rassurée. Elle sait que je peux l'aider. Donc elle fait des aveux sans problème. Mais avec toi, elle a peur. Avec vous, elle a peur. Elle te dit, c'est dit encore des choses. Son papa avait vécu des taxis pour faire des vacances. On arrive là. Il y a des choses qu'elle ne peut pas te dire dans les moindres détails parce qu'elle sait qu'il ne faut pas l'aider. Et non seulement ça, c'est le ministère aussi des prophètes. Comment j'ai su? Elle est en train de me flasher. Elle me flasher. C'est pour ça que j'ai pris son dossier rapide. Qu'est-ce que tu as fait, papa, encore? Il va mourir quand, papa? Il va mourir quand? Elle va mourir quand? Avant les fêtes. Ça, c'est le 11 décembre. À 20h22. La respiration s'est arrêtée. Dieu la sorcellerie, c'est pas une mauvaise affaire. Et qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as gâté chez papa?
voiture. Il avait cette voiture. Il avait combien de voitures? Il avait deux taxis compteurs. Deux taxis compteurs. Quatre taxis communaux. Mmh. Les taxis de l'événement. Et puis. Voilà, voilà. Un massa qui faisait la ligne à Vigeance-Saint-Pédicot. D'accord. Aïe, hey, gâte, ils sont faits pour casser. Comment t'as cassé? C'est là que j'ai mécanisé, c'est eux qu'on l'amène. Comment t'as cassé? Comment t'as cassé? Comment t'as cassé? Hein? Attendez. Hein? De brûler la machine de papa. Le taxi. T'as fait comment? T'as pris feu? Comment t'as gâté ça? Je suis passé. Ce que tu as fait là, c'est pour expliquer. Les voitures sont là, mais qu'est-ce que tu as mis? Qu'est-ce que tu as fait? Quelle est la pratique? Tu as fait que c'est gâté là. Pour expliquer. Mmh. Si on vous met dans le champ, ah, ok. Là-bas, Jésus a été mangé. Tu dors dans la maison, elle sert. Tu vas marcher sur quoi? On n'a pas su maintenant. Mais qu'est-ce que vous êtes retrouvés ici? Papa, c'est un jour, ma soeur regardait la télé. Ah, la télé. Voilà. Maintenant, elle m'a dit, ça, je suis du tout. Ah, ben, tu as vu la vidéo? J'ai dit au vieux, on va arriver ici. Ah, donc, vous allez chercher pour vous délivrer. Oui, il y a des gens qui souffrent de ça. Ils cherchent juste un truc. Parce qu'il y a des spécialistes. Non, de faire qu'ils soient ici. On va aider les malades. Vous comprenez? Donc, dans d'autres, on va la séquestrer, on va la frapper. Vous avez compris très bien, elle a été initiée. Vous avez compris? La petite n'allait pas acheter ça à son côté. Je vous dis qu'un jour, c'est sorti quand elle est devenue sorcière. Elle s'est levée un matin, elle est devenue sorcière. C'est pas à qui une cache, elle allait acheter. Comment tu as fait? Tu as fait quelle pratique du gâté? Oh, en 30 minutes, elle sera délivrée. Oh, yeah. 30 minutes. Les démons sont partis. Si elle recommence, vous-même, vous allez savoir que Dieu est en train de la châtier. Ah, ici, c'est le terminus. C'est le terminus ici. Ça, c'est manger d'orteil. C'est pas bon, mon sorcier. Oui, alors? Ah d'accord, donc tu t'es arrêté dans les voitures. Et tu disais quoi aux voitures? Oui, elle disait que les voitures n'ont pas brûlé. La puissance de la parole. Les voitures n'ont pas brûlé. Allons-y. C'est ça qu'il a fait. Et puis, c'est ça qu'il a fait. Bien, elle est revenue. Il était couché. Elle est revenue. Et puis, elle a passé. Puis, il a vu sa maman. Il a vu ma mère. Puis, ma grand-mère, puis, elle s'est arrêtée. On sait aussi que. Jésus t'aime beaucoup.
Je dis tiens. C'est vrai que tu as gâché, hein? Dieu va te délivrer. Tu as compris? De toute façon. Nous allons te dire, nous allons prier. Nous sommes dans les mois les plus dangereux. Tu vas attaquer la sorcellerie. Viens, viens, toi, viens, viens. Tu vas attaquer la sorcellerie. Nous allons prier. Attaquer la sorcellerie. Adam, ça, on est rentré. Tu vas aller où? La prière, tu as la école. Tu n'as pas commencé ta tête. C'est grave, toi. Avec un dragon. Chasse l'esprit du dragon. Tu vas quitter sa vie. Oui, quitte sa vie. Quitte sa vie. Au nom de Jésus, le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Tu m'attends? Feu! Feu! Allez! Quitte son ventre. Tu es logé dans le ventre. Quitte! 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 Feu! Allez! Allez! Tu déloges, allez! Quitte! Quitte son ventre! Quitte! Libère-la au nom de Jésus. Quitte ce corps et maintenant. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Tu vas partir. Tu vas lâcher son corps. Tu vas lâcher sa vie. Tu vas lâcher sa vie. Au nom de Jésus. Tu vas lâcher. Tu vas lâcher sa vie. Lâche-la. Lâche-la. Lâche sa vie. Va-t'en. Va! Va-t'en! Quitte son corps. Tu vas partir. Tu vas prier pendant que tu as arrêté. Tu vas menacer celui qui envers ta vie. Et tu vas faire le retour à l'envoyeur. Tu viens à l'école, non? À la maison, mais ça, j'ai prié. Priez, 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 priez. Le corps envoyeur, l'esprit qui a envoyé la maladie, retourne dans le camp du diable. Au nom de Jésus. Je ne peux pas.
ne veux plus entendre vous parler. Oh, Jésus, Christien. Comment? Jésus, pitié à moi. Jésus, pitié, c'est quoi? Avant de me dire à mon frère, oh, Jésus. Continuez de prier. Thank you.
Amen. Ceux qui ont besoin de bain d'huile, mettez-vous dehors. Et à tout à l'heure. La sécurité.